Ça fait tellement longtemps, je sais même plus comment on fait ça. Eh bien le bonjour mesdames et mes Bob, et non vous ne rêvez pas, après quasiment, voire même plus de 6 mois d'absence, je suis de retour. Enfin de retour c'est vite dit, mais au moins on est présent vous voyez. Non plus sérieusement, ça fait depuis le mois de mai que j'ai plus ou moins disparu des réseaux, du jour au lendemain. Et du coup aujourd'hui c'était l'occasion pour moi de revenir un petit peu sur ce qui s'était passé et vous donner quelques explications. Je me sentais pas particulièrement obligé de la tourner cette vidéo, vis-à-vis de vous en tout cas j'entends, mais d'une certaine manière je pense que ça va m'aider moi, à titre personnel du coup, de pouvoir avancer, et de toute manière je pouvais pas revenir comme ça, comme si de rien n'était, wouh, ça fait 6 mois que je suis parti les gars. Ça aurait été un petit peu bizarre. Mais avant de commencer, je me suis dit que ce serait pas mal de me présenter à vous, parce que même si vous avez eu l'habitude de me voir passer sur votre feed Instagram depuis un petit moment, et ben vous savez pas forcément qui je suis, et comment j'en suis arrivé à travailler le papier, à vous partager ma passion pour le papercraft et plus généralement pour les arts créatifs. Je m'appelle David, DT pour les intimes, et ça fait maintenant depuis 2014 que je me suis lancé à mon compte et où je me suis spécialisé dans la création de sculptures en papier, que ce soit pour de la décoration événementielle ou pour de l'animation d'atelier. Jusque-là, je travaillais tout seul, mais en 2019, un de mes meilleurs potes a décidé de rejoindre l'aventure et on a pris la décision de s'associer afin de pouvoir passer DT Workshop à la seconde et accélérer les choses. Donc à la base avec Anto, on voulait mettre toute notre attention justement sur le fait de développer la société et de s'imposer en tant que studio créatif spécialisé dans la réalisation de sculptures en papier. Sauf que c'est également dans cette période qu'on s'est mangé un petit truc que vous avez peut-être vu passer, le Covid, qui a totalement chamboulé nos plans. Maintenant que le secteur de l'événementiel était un peu en pause, on n'a pas vraiment eu d'autre solution que voilà, de se remettre en question et d'essayer de trouver une solution pour s'adapter. Et donc on s'est pris au jeu pendant les années 2020-2021 à vous créer du contenu, à s'améliorer justement pour vous proposer des tutoriels, vous proposer des kits que vous puissiez télécharger et assembler directement à la maison, vous faire des posts sur Instagram, faire un petit peu les couillons sur TikTok, interagir avec vous en live sur Twitch, enfin bref, on était partout. Et c'était un rythme qui était quand même assez tendu et qui, je ne vous le cache pas, était vraiment compliqué à maintenir. Je pense que tout créateur de contenu sait à quel point c'est difficile de maintenir un rythme de publication assez constant, histoire de ne pas se faire oublier par la plateforme, et en même temps, voilà, de ne pas essayer de compromettre, on va dire, son intégrité en tant que créateur, si je peux, si, voilà, si ça, ça a du sens ce que je vous dis, pour essayer de continuer à vous proposer du contenu qui soit quand même intéressant et pas trop redondant. Et c'est justement dans ce piège que je suis un peu tombé. En fait, j'avais cette pression constante de vouloir maintenir le cap, continuer à créer et à produire des choses sans pour autant pouvoir m'éclater dans la création, parce que les choses que je fais prennent quand même pas mal de temps et j'avais du mal à trouver le juste milieu entre voilà, produire du contenu qui moi m'intéresse et produire suffisamment pour ne pas être mis de côté sur la plateforme et par conséquent voilà, qu'on voit pas notre travail quoi. Parce que s'il y a bien une chose que j'ai retenue de cette aventure, c'est que vous avez beau être le plus grand artiste du coin, le plus incroyable créateur, si personne voit votre travail au final, et ben vous n'allez pas aller très loin. Et je me suis un petit peu perdu là-dedans en fait, dans cette pression de toujours vouloir créer plus, toujours être présent, toujours être innovant, et ça a un petit peu eu raison de ma santé mentale. C'est une descente qui a été progressive sur plusieurs mois, et presque du jour au lendemain, j'ai perdu l'envie de tout. Tout ça nous amène à fin 2021 et début 2022, où pour moi démarre l'ascension, ou plutôt la descente vers les enfers quoi. Aujourd'hui, je peux en parler un petit peu en rigolant et en souriant, mais je peux vous dire que début 2022, j'ai jamais été aussi mal de toute ma vie. Mon cerveau, il a juste dit stop. Et en fait, mon corps a dit stop. Et là, c'était le début de l'hécatombe. Je suis tombé malade, j'arrivais plus à me lever, j'avais qu'une envie, une fois que j'étais debout, bah, c'était de me recoucher en fait. La moindre tâche simple était devenue une montagne pour moi. Et j'arrivais pas à m'en sortir, je voyais pas comment faire. J'avais beau sortir, j'avais beau essayer de faire un peu de sport, j'avais beau essayer de me réfugier dans les choses que je faisais jusque-là pour m'aider à tenir, plus rien ne fonctionnait en fait. Et pendant cette période-là, j'essayais de continuer à créer des kits, continuer à être présent, etc. parce que je voulais pas lâcher, ça faisait des années que je faisais ça, et je savais que sur le long terme, c'est cette stratégie qui finirait par payer. Mais c'était super compliqué à tenir, et au bout d'un moment, en fait, j'ai échoué, quoi. Bah, littéralement, mes semaines, c'était créer un kit, créer une notice, la poster, créer du contenu, faire une vidéo YouTube, la poster, aller sur Twitch, en parler, la poster. Enfin bref, c'était devenu l'enfer, quoi. Et petit à petit, ce mal-être dans le travail, toute cette remise en question, couplé au fait que mon environnement de travail n'était pas forcément le plus sain pour moi, parce que je travaillais à l'époque de chez mes parents, où je vivais. J'avais pas vraiment de séparation entre ma vie pro et ma vie perso, puisque tout était couplé au même endroit. J'étais dans une période de remise en question totale,
où je savais plus du tout où j'allais aller, j'ai considéré toutes les options. Je me suis dit, allez, je ferme DT Workshop, on arrête la société, on arrête la boîte. J'ai essayé, j'ai pas réussi. Il est temps de passer à autre chose. J'ai envisagé toutes les carrières et les reconversions possibles. Dans ma tête, j'étais déjà devenu forgeron, menuisier, j'avais regardé pour devenir moniteur d'auto-école. Du grand n'importe quoi. Et j'ai totalement craqué, je me suis dit, ça y est, il est temps de passer à une nouvelle étape de ma vie, je sais pas quoi faire, je vais redémarrer à zéro. Enfin bref, je pensais plus rationnellement, quoi. Et c'est ça qui est terrible, en fait, c'est que quand t'es enfermé dans ce cercle et ce schéma de pensée négatif, c'est extrêmement difficile de t'en sortir et tu t'essaies de trouver n'importe quel moyen en fait et tu réfléchis, en tout cas c'est comme ça que mon esprit fonctionne. Et donc pendant des jours et des jours j'essayais de réfléchir pour trouver une solution pour me sortir de là, pendant que paradoxalement je m'enfonçais en même temps parce que bah, je ne faisais rien, j'avais plus envie de rien, j'avais plus envie de créer, de peindre, enfin il n'y avait plus rien qui m'intéressait. Ma curiosité naturelle qui me définissait en fait n'était plus là, je me suis laissé mourir quoi, clairement. Tout ça pour vous dire que du coup, aux alentours de mai-juin, j'en ai longuement parlé avec mon associé et en fait, il m'a juste dit « Mec, arrête-toi, prends une pause, on fait un petit break et puis on verra quand tu te sentiras mieux. » Et pour ça, j'avais besoin de mettre tout ça de côté, changer totalement d'environnement et en fait, de partir de là où j'étais quoi. Aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est au mois de novembre et comme vous pouvez le voir, je pense, ça va quand même beaucoup mieux. Cette coupure m'a fait vraiment énormément de bien, j'ai pu prendre suffisamment de recul pour voir les choses de façon plus claire. Mais aujourd'hui, voilà, ma situation a changé. Enfin, comme vous pouvez le voir, je ne suis plus dans l'atelier. J'y ai encore accès, rassurez-vous. Mais voilà, je suis dans un nouvel appartement. Et du coup, qui dit appartement, bah, dit que j'ai des nouveaux frais que je n'avais pas avant. Et donc, entre le mois de mai et le mois de novembre, et bah, j'ai fait une rupture totale avec bah, mon ancien métier de designer papier. Et bah, j'ai commencé un nouveau taf. Maintenant que je suis retourné dans le salariat, je vous avoue que j'ai quand même l'impression d'avoir fait un gros pas en arrière où je m'étais toujours dit que voilà, il fallait que je lâche pas, il fallait que je continue et que quoi qu'il arrive, on restait déterminé, qu'on ne devait pas oublier pourquoi est-ce que j'avais fait ça, j'avais pris cette décision de me lancer dans l'entrepreneuriat depuis le début. Et aujourd'hui, je me dis que je suis qu'à une étape de ma vie où je recule pour pouvoir mieux sauter derrière, quoi. Je regrette absolument pas d'avoir mis l'activité en pause pendant tous ces mois. Et ça, je le dois aussi grandement à Kanto, à mon associé qui a su avoir les mots pour pouvoir me rassurer, pour pouvoir me conseiller. Et j'ai vraiment énormément de chance d'avoir quelqu'un comme ça à mes côtés pour qui a su maintenir la barque en fait quand j'étais vraiment plus mal. Et juste pour ça en fait, je me dois de pas abandonner en fait. Ça fait des années qu'on travaille là-dessus et de simplement voir en fait tout votre soutien, tous les messages que vous m'avez envoyés les gars pendant cette période où j'étais pas bien, où j'ai disparu des réseaux, vous avez été extrêmement nombreux à vous poser la question et à vous demander voilà si j'allais bien, vous inquiétez pour moi. Et je m'excuse par avance d'ailleurs si j'ai pas pris le temps de répondre à vos messages ou d'aller un peu plus dans les détails parce que voilà, j'étais vraiment concentré sur moi-même à ce moment-là. Mais voilà, aujourd'hui je vous annonce que je suis de retour, même si je vous garantis pas que je serai aussi présent qu'auparavant, parce que bah, maintenant, j'ai un métier classique pour pouvoir subvenir à mes besoins, mais clairement, je pense pas que je vais rester là-dedans, les gars. On va retourner travailler dans le papier, parce que le salariat, c'est pas fait pour moi. Hein. Et je pense que je dédierai le reste de mon temps libre à développer des workshops comme je le faisais avant, en me retirant cette pression en fait de devoir constamment créer du contenu et être présent tous les jours, quoi. Je me pose encore énormément de questions vis-à-vis de l'avenir de la boîte. Je sais pas si on va continuer de se concentrer justement sur la création de kits digitaux et de création de tutoriels vidéo sur YouTube, ou si on va repartir plutôt du côté de l'événementiel et de la création de sculptures personnalisées pour les entreprises, parce que mine de rien, c'était là qu'on faisait notre plus gros chiffre d'affaires. Et donc voilà, je ne sais pas ce que l'avenir va nous réserver, mais une chose est sûre, c'est que je veux continuer à entreprendre, je veux continuer à travailler pour moi. Faire des projets qui me font kiffer, avec des gens qui me font kiffer, voilà, même si je dois mettre les bouchées doubles, voire triples, maintenant que j'ai un travail à temps plein. Et bah voilà, on va devoir se sortir les doigts les gars et passer par là. Et je pense que ça va être aussi intéressant de pouvoir documenter ça et de pouvoir voir ensemble maintenant comment je vais réussir à m'en sortir et enfin vivre de mon activité à temps plein. Je suis vraiment content, en tout cas aujourd'hui, d'avoir été capable de pouvoir vous tourner cette vidéo parce que croyez-moi, ça n'a pas été facile pour moi. J'ai réussi à me convaincre d'arrêter de repousser le moment, juste d'allumer la caméra, de me lancer, de vous parler. Je ne sais pas du tout à quoi va ressembler cette vidéo, je ne sais même pas ce que je vais garder de ce que j'ai dit. Mais voilà, en tout cas, je vous remercie du fond du cœur pour tous les messages et les encouragements que j'ai reçus ces derniers mois. Ça m'a fait énormément de bien de voir que vous étiez derrière les gars, même si, encore une fois, je m'excuse de ne pas avoir pu vous répondre individuellement.
individuellement. D'ailleurs, si vous êtes toujours là à m'écouter parler jusqu'à la toute fin de la vidéo, vraiment, vous êtes des boss, les gars. Je vous kiffe. N'hésitez pas d'ailleurs à me laisser un petit poussin en emoji dans les commentaires, comme ça je saurai parmi vous qui a regardé la vidéo jusqu'à la fin. Bref, on se dit à très bientôt et surtout, n'oubliez pas le plus important, les amis, prenez soin de vous et prenez soin de vos proches, parce qu'au final, c'est ça qui compte le plus.